Bonjour tout le monde, c'est Kazuki et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale émulation. Et plus particulièrement l'émulation de ma console de cœur qui est la NEC PC Engine. Il n'y a pas longtemps, Mangapony, tu m'as MP, tu m'as dit que tu avais une vieille tour que tu voulais un peu lui donner une seconde vie et l'utiliser pour faire de l'émulation. Il s'avère que justement les vieilles tours donc sont parfaites vraiment pour faire de l'émulation. Quand je parle de vieilles tours PC donc, pas besoin que ce soit une vieille tour, hein. Là ce que je vais vous présenter marche sur n'importe quel PC. Mais il faut avouer que si vous avez quelque part chez vous des vieilles tours du genre des beakers sous Windows XP, il n'y a pas mieux pour faire de l'émulation old school. Parce que vous branchez une manette dessus, pour peu que vous ayez encore des vieux écrans 4 tiers cathodiques, et là vous aurez le combo ultime pour faire du rétro gaming, enfin de l'émulation de consoles rétro vraiment de très très bonne qualité. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'émulateur que je trouve le mieux pour la NEC PC Engine. Bon, je ne vais pas être le premier à faire une vidéo tuto sur un émulateur, beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Nono d'ailleurs a fait une très bonne vidéo sur le même émulateur, mais je trouvais pertinent de ma part, moi qui suis un collectionneur et un fan de la NEC PC Engine, et comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo d'achat, que justement on peut aimer la console physiquement, avoir les... attention, tout bien tout honneur, aimer le hardware, posséder les jeux, les consoles, etc. Mais jouer en émulation, et c'est ce que je fais, il y a beaucoup de jeux que je ne pourrais jamais avoir sur NEC PC Engine, comme les jeux Caravan qui sortaient à l'époque que pendant des concours équivalent une blend, on dira c'est hors de prix. Et même je me suis renseigné juste avant de faire cette vidéo, à l'heure actuelle si vous allez sur, on va prendre eBay, et que vous voulez jouer à la NEC PC Engine avec toute sa ludothèque, ça vous coûtera un bras quoi. Donc pour les petites bourses, et pas forcément que pour eux, l'émulation est un très bon moyen. Vous allez voir que les émulateurs ont vraiment beaucoup de capacité à retranscrire vraiment un plaisir de jeu très proche de la console d'origine, et on va voir ça ensemble. Donc pour pouvoir jouer à l'émulateur NEC PC Engine, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous vous connectez sur internet. L'émulateur s'appelle Otake, de O-T-A-K-E. Le premier lien, c'est le site de la personne qui a créé cet émulateur. Donc vous voyez, Otake en version 2.75, qui est compatible Windows 7, Vista, XP, Windows 8, aussi bien en 32 bits qu'en 64. Donc vous le téléchargez. Hop. Ensuite, comme vous savez, la NEC PC Engine utilise deux formats, c'est-à-dire le U-Card, qui sont des petites disquettes, et du CD. Et donc pour lire les jeux au format CD, on va télécharger Demon Tool dans sa version Lite. Donc vous allez sur Clubic ou vous tapez sur Google Demon Tool Lite, vous le téléchargez, vous l'installez. Et on est parti pour l'émulation. Donc, quand l'émulateur est installé, pour les ROM, je vous conseille mondemul.net. Comme vous voyez, tout est bien classé par ordre alphabétique et tout. Les ROM sont de bonne qualité, vous pouvez trouver les versions US, c'est-à-dire la TurboGrafx, ou les versions japonaises, à votre bon choix. Ce qui est bien, c'est qu'il y a certains RPG qui sont quand même sortis aux États-Unis, donc vous pourrez comme les IS par exemple, IS 1 et 2 sont disponibles en anglais. Voilà, donc pour l'émulation, c'est tout simple. Quand vous avez installé Otake, vous double-cliquez dessus. Bien sûr, au préalable, vous avez téléchargé vos ROM, donc au format U-Card ou au format CD. Et on va commencer d'abord par le format U-Card. Donc vous double-cliquez, il vous dit U-Card Game. Vous cliquez dessus. Et là, on va prendre justement, pour vous montrer que l'émulation est vraiment de très bonne qualité, on va tester ce jeu-là. Le Street Fighter 2. On va donc lancer le Street Fighter 2. Là, vous voyez déjà possibilité de configurer les manettes. Donc, clic droit, vous ouvrez le menu. Donc, les premiers réglages à faire seront dans l'écran, screen.
Je recommande de jouer en 640 par 480, de cocher le plein écran. De base, il est en real stretch et je vous conseille de le mettre en vertical stretch pour vous retrouver avec du format 4 tiers. Après, normalement, les réglages sont de base. Ensuite, vous branchez une manette PC. Moi, j'utilise une Thrustmaster. Et vous allez dans Input. Là, vous faites configurer le pad 1. Là, vous aurez un retour window. Et là, vous voyez, il vous demande, en gros, toutes les touches, appuyez sur haut, bas, droite, gauche. Ah, petit détail aussi important, sur la manette de PC Engine, le bouton 1 se trouve à l'extérieur. Et le bouton 2, donc là. Faites attention parce que le gameplay est vraiment prévu pour avoir le bouton 1 à l'extérieur. Donc moi, j'ai déjà configuré mon pad. On va se faire une petite partie. On va voir dans les options. On va s'enlever une petite étoile. Ouais. Vous allez voir qu'au niveau de l'émulation, elle est parfaite. Parce que quand les émulateurs ne sont pas de bonne qualité, ben, vous avez un peu de latence. Et dans un jeu de baston, vous sortirez aucun coup, quoi. Donc là. Le plaisir, il est comme sur la console d'origine. Il n'y a pas de souci, c'est fluide, les coups sortent. On va se faire quand même un petit plaisir, on va se faire le deuxième round. Et voilà. Donc de nouveau, clic gauche, pardon, je disais clic droit mais c'est clic gauche. Voilà, donc ça c'est pour jouer au jeu UCard. Ensuite, pour jouer au jeu format CD-ROM, c'est un peu plus compliqué mais c'est en plus. Donc c'est pareil, vous ouvrez donc Demon to Light, vous créez un lecteur virtuel, bon, il est déjà fait. Ensuite, vous rajoutez une image. Donc moi, je vais rajouter, hop, je vous montre quand même le jeu. Akumajo Dracula X Chino Rondo. Voilà. Donc les jeux, quand vous les téléchargez, vous les aurez en deux fichiers. Quand vous ouvrez des Montool, en fait, c'est l'ISO qui sera reconnu, mais il faut que vous gardiez quand même les deux fichiers. Donc voilà, vous l'ouvrez, vous double-cliquez pour monter l'image. Là, hop, moi j'ai un lecteur qui s'ouvre. Et quand c'est fait, vous relancez l'émulateur. Et cette fois-ci, vous faites CD-ROM Game. Et là, la PC Engine vous demande de run le CD. Hop. Vous voyez, le jeu se lance. Donc, petite précision, la première fois que vous l'installez, au niveau du CD-ROM, il faudra que vous lui disiez, parce que de base, il lira votre lecteur CD-ROM, qui moi est le F, il faudra que vous lui disiez d'aller lire le lecteur virtuel. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, quoi. En gros, il y avait F qui était coché, et il devient I. Voilà. Et là, on se retrouve avec un jeu. Ah tiens, je vais laisser un peu la scène. Auf der Schattenseite des Friedens, des Wachstums,
Ah, j'ai oublié de... Un vertical stretch pour retrouver le format 4 tiers. Mais encore, vous voyez, ça passait plutôt pas trop mal à 16/9. Et je sais pas trop si vous le verrez, l'effet skyline, ça ressort plutôt bien. Mais malheureusement, comme Fraps faisait des siennes, je suis en train de filmer avec mon caméscope et je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la qualité. Moi je peux vous dire, je possède le jeu et quand je joue sur mon cathodique, il n'y a pas beaucoup de différence. Si j'avais un vieil écran, malheureusement j'ai plus des vieux écrans cathodiques en 4 tiers, ça serait vraiment magnifique. Déjà que là, ça rend vraiment bien, mais si j'avais un vieil écran, ça serait le top quoi. Donc Manga Pony, n'hésite pas quoi. Je sais que t'aimes bien faire de la récup et de la restauration, mais là t'auras vraiment moyen de te faire plaisir et de jouer à NECPES Engine. De vraiment d'une manière optimisée. On va changer le player. On va dire que je me fais toucher comme une merde, mais que... Donc Maria, le double saut. Possibilité de... Faire saut totalement cheaté, mais... Ça fait plaisir quoi, ça. C'est seul Castlevania qui peut offrir un double gameplay comme ça et c'est plaisant. Je joue vraiment comme une braille. Là. Ah oui, quelque chose que je n'ai pas précisé. Beaucoup de jeux donc de PC Engine sont des shmups. Et au niveau des inputs, de base, vous voyez, si vous appuyez sur la touche 1, vous mettez la touche 1 en turbo. La touche 2, c'est pour mettre le bouton 2. C'est très pratique pour certains shoots où il faut enclencher tout le temps le turbo. Voilà, ce sera tout pour ma vidéo sur la présentation de Otake. Un super émulateur de NECPES Engine, donc pour les gamers curieux qui ne voudraient pas mettre des sommes astronomiques dans une NECPES Engine, ceci est une bonne pioche, je pense. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.